Bonjour, ça fait tellement plaisir de te retrouver à nouveau ce matin. Ici, c'est Élise pour la pensée du jour. Hier, on a parlé de choisir l'excellence. Tu te rappelles? En vainqueur et pour vaincre. Et aujourd'hui, on va voir comment vivre ça tout en se sentant en sécurité. La pensée du jour se trouve dans Proverbes, chapitre 3, les versets 5 et 6. « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. » Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur une petite partie de la pensée du jour. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Reconnaître Dieu. C'est une toute petite phrase qui a l'air de rien comme ça. Pourtant, il y a tellement de sens possible dans ces quelques mots. Ça veut dire quoi, reconnaître Dieu? D'abord, je pense que c'est reconnaître sa présence. Le fait qu'il est là, à côté de toi, dans tout ce que tu vis. Il t'accompagne, il te soutient, il te protège. N'aie pas peur, tu n'es pas seul. Reconnaître sa présence avec toi. Mais je vois d'autres sens à reconnaître Dieu. C'est aussi reconnaître son nom, le nom de Dieu, et reconnaître que moi, si je l'ai choisi dans ma vie, toi, si tu l'as choisi dans ta vie, chaque fois que tu parles et que tu agis, tu le fais au nom de Dieu, en tant que son représentant. Donc, dans tout ce que tu fais, reconnaître Dieu, c'est aussi reconnaître que tu le représentes et que tu ne peux pas dire et faire n'importe quoi parce que tu es enfant de Dieu et que tu ne veux pas lui faire honte. Et enfin, et ça va avec reconnaître le nom de Dieu, c'est reconnaître le caractère de Dieu. Comment est-ce qu'il est ? C'est quoi sa personnalité? C'est quoi les traits qui le définissent? L'amour et la justice? Pour pas se laisser tromper, pour pas aller sur des voies qui seraient pas bonnes? Parce que je sais que ça ne lui ressemble pas. Que tel conseil que quelqu'un d'autre me donne n'est pas cohérent avec ce que Dieu lui propose. Et du coup, quand je reconnais le caractère de Dieu, je peux reconnaître son nom et agir en son nom d'une façon qui est juste et qui est belle. Alors tu vois que derrière ce petit mot « reconnaître », il y a tellement de sens plein, complet, et qui change ma vie, qui impacte ma vie. Quand je reconnais sa présence, son caractère et son nom, Dieu guide mes pas et me garde en sécurité. Je n'ai plus peur de vivre en vainqueur et pour vaincre parce que je sais qu'il est là, qu'il est amour et que je suis son enfant. Alors pour ta journée, je vais t'inviter à certains moments quand tu as un peu de temps, quand il y a des choses peut-être qui se passent, de prendre quelques secondes pour te rappeler et te dire dans ta tête « Dieu, je veux reconnaître, tu es là maintenant avec moi. » Merci à toi d'avoir suivi la pensée du jour. C'était un plaisir de t'avoir avec nous et j'espère qu'elle t'a fait du bien. Comme d'habitude, pense à la partager autour de toi, aux gens que tu aimes. Si tu as envie, mets-nous un commentaire, dis que tu as aimé cette vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Et je te donne rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.